salue mes petits frères et mes petites sœurs. De la Sierra Nevada Santa Marta, vivimos cuatro indígenas. Je viens de la Sierra Santa Marta en Colombie où vivent quatre communautés indiennes. Y tenemos igual que Poporo, tenemos la Sierra Nevada. Usamos Poporo de los cuatro, San Juan, Uruguay y Aguaco, Coqui. Usamos esto. On se reconnaît tous les quatre communautés car on utilise le même objet qui vient nous montrer que c'est de la Poporo. Entonces me estoy acompañando aquí como me gusta mucho como están hablando hermanito menor Erin y está diciendo que mucha gente se reunió, estoy contento. Yo no estoy pensando con mi casa, más bien que estoy como mi casa, como mi Nuhue, mi Cancuro, así mismo estoy pensando acá. Y ahora no vi la música tan tocando aquí. Estoy contento también, nosotros también hacemos un Nuhue, hacemos el Suama, cantamos mucha música, miles, millones de música tenemos. Yo pensaba que el hermanito menor quizás no sabe, también estoy viendo que sabe mucho también. Estoy contento, estoy acompañando, quiero acompañar más. Gracias. Alors si vous connaissez, il n'y a pas besoin de traiter. Alors il disait dans les grandes lignes, je trouve ça pas compété, qu'il aime bien les paroles qu'il a entendues et ce que je raconte, et il pense qu'il aime bien être ici parce que. Il dit que ça lui fait penser au lieu où dans leur communauté ils se rassemblent avec plusieurs personnes pour discuter, pour échanger, c'est tout ça génial, tout ce que la soir. Et il se disait aussi, mais est-ce qu'ils savent jouer de la musique dans ces pays lointains? Nous, on joue beaucoup de musique, on peut jouer des milliers de morceaux de musique, est-ce qu'ils savent jouer? Il était ravi de voir qu'on était accueillis ici avec de la musique, que c'était ce que vous saviez faire ça. Il disait que nous, on a 1000 morceaux de musique pour des choses différentes, vous savez jouer, ça c'est génial. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui, vraiment. Et j'aimerais bien continuer cette tournée, je pense qu'on va être aussi encore longtemps, c'est génial. La première question qui revenait souvent, que je vais reposer à nos invités, je vais vous les présenter. Donc on a Arenose Colandalo, qui est un jeune colis de 33 ans, qui a fait des études universitaires parce qu'il a été désigné par sa communauté pour essayer d'apprendre un peu la langue et comment ça fonctionne chez nous, pour pouvoir jouer un peu les interfaces. C'est lui qui parle relativement couramment espagnol et qui souvent traduit les propos des deux autres invités. À sa droite, José Gabriel Guimago, qui est dans leur culture, c'est un chaman. Si la question vous intéresse, évidemment, vous pouvez leur poser, qu'est-ce que c'est. Et à l'extrême droite, José Pinto Digula, qui est aussi un chaman, qui lui a comme mission de ne pas forcément beaucoup parler pendant les soirées, mais de faire en sorte que le voyage se passe bien, qu'ils reviennent chez eux en bonne santé. Donc souvent, la journée, il ne dit rien, mais la nuit, quand on dort dans les chambres d'hôtel et que les poissons sont fines, ils dorment pas. Je pense qu'ils font toute la journée et qu'ils révisent ensemble qu'est-ce qui s'est passé. Voilà nos trois invités. La primera pregunta, tal vez, sería saber. Si ustedes tienen moneda, ¿cómo es la economía de la comunidad Coqui? ¿Qué es el banco? L'économie, el sistema económico, nous estamos hablando de économie de l'argent, c'est important. Je demande, ¿c'est quoi le sistema económico? ¿Es que hay un modèle de l'économie? Primero de todo, pues. Buenas noches. Avant toute chose, bonsoir. Estamos pues, muy contentos de estar compartiendo con ustedes todos los conocimientos, ideas, por eso nos agrada mucho. Ça nous fait plaisir, en nombre de la Sierra Nevada de Santa Marta, en nombre de las autoridades tradicionales, las comunidades. Respecto a la pregunta, pues la, ¿cómo es el manejo de ¿verdad? Si hay moneda, ¿cómo es el sistema económico? Para pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, a los cuatro pueblos indígenas, tenemos un sistema de arreglar un problema es en el medio que nosotros decimos
Sejgam. Il y a un dieu spécial pour résoudre ces questions quand il y a des dysfonctionnements ou des erreurs. On a des dieux spéciaux et des mots spéciaux pour ça. Sejgam quiere decir. Ce mot veut dire. Vamos a organizar. Il faut réorganiser ou organiser. Organizar la mente. Réorganiser la pensée. Organizar las vistas. Réorganiser la vue. Organizar el espíritu de uno. Réorganiser l'esprit de chacun. Porque a través de las vistas, a través del espíritu, en ese sentido que nosotros nos cometemos errores. Parce que c'est à travers la vue, l'écoute, la pensée qu'on commet ou qu'on ne commet pas les erreurs. Por eso mismo, cuando alguna persona se comete un error, si quelqu'un commet une erreur, lo que hay que hacer es que enseñarlos. Faut lui apprendre. Pourquoi? No se necesita castigar. Faut surtout pas le punir. No se necesita atropellar o hacer daños a esas personas. Faut pas le punir, faut pas le mettre en prison. C'est pas ça qu'il faut faire. Atropellar. Le taper, faut pas le taper. Porque esa persona lo que está pidiendo es la sabiduría, el conocimiento que quiere aprender. Parce qu'en faisant une erreur, ce que cette personne est en train de dire, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin que vous m'expliquiez. Por eso mismo, esa persona lo llevamos en las lomas, en unas cuevas, con el mamo, para que el mamo le enseñe en qué consiste ese problema. Y cuando uno hace eso, ¿qué consecuencias te puede traer? Et c'est pour ça que quand quelqu'un commet une erreur, on l'emmène chez le mamou, chez le chaman, pour lui apprendre qu'est-ce que c'est que cette erreur, quelles sont les conséquences de cette erreur sur la communauté, pour lui apprendre. Por eso mismo la mayoría de las personas que salen líder, mamos, autoridad, siempre esas personas han cometido errores y esas son las personas que aprende y después él enseña. C'est pour ça que chez nous, les leaders, alors je sais qu'il y a quelques chefs d'entreprise dans la salle, les leaders sont des gens qui ont commis des erreurs. Parce que ceux-là, au moins, s'ils ont commis des erreurs, ils ont pu apprendre, et donc ils pourront ensuite être leaders en sachant les erreurs qu'ils ont faites pour apprendre, ce sera plus simple. Pero esa educación, cette éducation, ces règles, arreglamos esa situación sin salir la ley ancestral que está escrito que nos ha dejado por las madres ancestrales. No tienen leyes que se inventan así. No tenemos leyes que fuimos inventados por nosotros, sino que es una ley que viene desde un principio, las madres ancestrales nos han legado a través de los animales, de los árboles, de las plantas, del agua, de las piedras. Allí está escrito. Nosotros nunca hemos podido cambiar, nunca queremos cambiar, y no se puede cambiar, porque es un orden de la madre naturaleza. Nous on a des lois qui viennent de la nature, c'est des lois qui viennent de l'origine de la vie, et c'est ces lois-là qu'on respecte. Quand on dit qu'on apprend aux gens qui ont fait des erreurs, qu'est-ce qu'ils doivent apprendre, c'est ces lois-là qu'il faut retrouver. C'est pas comme chez vous, c'est moi qui rajoute chez vous, mais des autres lois. Ben, c'est des gens qui inventent des lois et qui les changent quand ça les arrange. Là, c'est les lois de la vie. Et celles-là, ces lois de la vie, on ne peut pas les changer. C'est impossible de les changer. C'est celles-là qu'il faut respecter. Et pas des lois qu'on change et qu'on arrange quand ça nous chante. Además de eso, esa persona qui cometió error, ces gens qui commettent des erreurs, el mamo le va a hacer la consulta. Va faire un travail de consultation. De dónde se le proviene ese problema. Pour aller rechercher d'où vient réellement ce problème ou cette erreur. Hacer una investigación espiritual de dónde se proviene por linajes, por personalmente, de dónde se le viene ese problema. C'est un vrai travail d'investigation pour savoir d'où vient le problème. Par famille, par clan, pour aller chercher quelle est la source de la difficulté. Et là, c'est moi qui rajoute parce qu'il a dit hier, parfois ça peut remonter, valeur c'est très générationnel, non? Ça peut remonter plusieurs générations. Por eso mismo, ya cuando se establece que ya esa persona va a ser aprendido por las autoridades, se le van a buscar, le pregunta a esa persona qué le gusta hacer, qué le gusta aprender. Aprender a cantar, aprender a tocar tambor, a tocar flautas,
o quiere aprender a ser líder, entonces de acuerdo de eso, pues se le enseña a la persona para que sea aprendido lo que él le gusta. Eso es, por eso mismo no existe el castigo para nosotros. Il n'y a pas de punition comme nous pour avoir chez nous. On va demander aux gens finalement qu'est-ce qu'ils aiment faire. Est-ce que tu as envie d'apprendre de la flûte? Est-ce que tu as envie de jouer du tambour? Est-ce que tu as envie de devenir un leader? Qu'est-ce que tu aimes? Et on va apprendre à la personne ce qu'il aime. On dira peut-être son talent ou son envie. Et c'est ça, on va lui enseigner, mais il est impossible de punir quelqu'un. C'est toujours au contraire, l'erreur est un signe que la personne veut être formée un peu plus ou apprendre des choses qu'elle ne connaît pas. Et quelle manière est-ce que c'est le maman? Quelle est-ce le maman? Je me demande qu'est-ce qui s'occupe de gérer tout ça, c'est le chaman. C'est quoi un chaman? Entonces, uno cuando se comete errores es cuando uno no está en equilibrio con las naturalezas, con las personas. Si quelqu'un commet une erreur, c'est qu'il n'est pas en relation équilibrée, soit avec les autres personnes, soit avec la nature. L'erreur vient d'un déséquilibre. Nosotros dependemos de las naturalezas y la naturaleza depende de nosotros. Nous on dépend de la nature et il est évident que la nature dépend de nous. Los mamus son las personas, son líderes espirituales. Les mamus chez nous, on pourrait appeler chamans, sont nos leaders spirituels. Los mamus son las igualmente como son en nuestros hermanos menores como un profesor. C'est un peu comme chez vous des professeurs, des gens qui enseignent quelque chose. Como un médico. Un médecin aussi, ils sont médecins. Los mamus son lo que tienen la conexión. C'est ceux qui ont la relation, la conexión. La que sabe todas las normas de las leyes ancestrales del medio que nos rodea, de los objetos naturales. C'est eux qui connaissent, qui ont la conexión y qui connaissent toutes les règles de fonctionnement, les lois du territoire et les règles du territoire sur lequel ils habitent. C'est eux qui ont ce savoir-là. Los mamus son las personas que tienen alto conocimiento de lo que tiene que ver con todas las clasificaciones de especies que existen en el mundo. Et leur grand degré de connaissance, c'est de connaître toutes les espèces de vie vivantes, toutes les formes vivantes dans le monde. Ellos son los que hacen explicar, ellos son los que explican lo que educan a los jóvenes. C'est eux qui expliquent et qui éduquent les jeunes chez nous. Lo que tenga el valor, el significado de los objetos naturales. Et qui explique la valeur et la signification de chaque forme vivante. Entonces, pues, ese es el mamo. El mamo es la que personas cuando se equivoca, cuando una persona sale de la ley ancestral, o sort de la loi traditionnelle, la loi de la nature, lo coge esa persona y lo hace caminar en la ley ancestral que es uno solo. Il va prendre cette personne, il va le remettre dans cette loi de la nature qui est seule et unique, ancestrale. Es uno solo. Nosotros somos la naturaleza. C'est un seul tout, on est la nature. Porque nosotros venimos de la naturaleza. On vient de la nature. Entonces, vamos a ayudar a la madre naturaleza para que ella también nos ayude. Faut qu'on aide la nature pour que par retour elle nous aide aussi. Lo está eliminando todos los que son negativos para ella. Elle va enlever tout ce qui est négatif pour elle. Algo que le afecta. Tout ce qui la dérange. En algún momento va a tener que, si no lo ayudamos, si no lo protegemos, en algún momento nos acaba todo, es cuando nos barre todo. Y a un momento, elle va rasser, va todo balayer, y elle ira bien, finalement, mais elle va tout enlever, va todo balayer en la maison. Y ahí, cuando humamos, la mujer va a ser Saja. Y là-bas, le nombre, c'est pas Mamou, c'est Saja. Que tiene la misma experiencias. Sabiduría y conocimiento que humamos. Que el mismo tipo de experiencia y conocimiento que humamos. Sin esa mujer, sin esa saja, no es humano. Si no hay una femme saga, no puede ser humano de otro lado. Para poder compensar, por equilibrar, tiene que haber saja y tiene que haber humano. Por ser equilibrado, tiene que haber saja y de humano, los dos, femenino y masculino. Entonces, sí. Bien sûr que oui. José Gabriel, ¿tú eres solo? Por eso yo digo algo que alguien quiere hacer como mujeres sagas.
Sí, ustedes como criador mío nos dejó que ustedes, profesora, ustedes en América, ustedes se trabajan, y nosotros como indígenas trabajamos como humanos, como sapos. Entonces, nosotros tenemos orden, nos dejó, serán cuando nos dejó, cada cual nos dejó herencia como estamos viviendo. Por eso el hermanito menor estudia, le hace papeles, juega con la máquina y todo, hacen todo. Asimismo nosotros indígenas aprendemos mago, aprendemos saba y aprendemos todo. Y hacemos trabajo espiritualmente para cuidar el mundo del corazón, trabajamos en eso. Por eso yo les digo algo, ustedes no son nada, no, si ustedes también trabajan como saba, hay médica, hay todo. No dejó ser agua, todavía no se ha olvidado, estamos llevando igualmente, estamos llevando. Quería contestarle un poquito y muchas gracias. Il y a un ordre des choses qui a été laissé par le père spirituel qui s'appelle Serranco. Et il y a des gens qui ont des mamous et des sagas. Et chez vous, vous aussi, vous avez des femmes qui apprennent à être médecin, vous avez des femmes qui ont des métiers, etc. Et chez nous aussi, on travaille. Et on apprend aussi, les femmes apprennent des choses. Elles apprennent, vous étudiez, vous faites beaucoup de choses, des machines, des tonnes de papier, vous produisez des tas de choses. Et pour ça, vous apprenez. Ben, nous aussi, on apprend. Et on apprend sans doute plus au niveau spirituel, plus sur un apprentissage spirituel que pour faire des papiers, des machines et des choses comme ça. Donc vous aussi, vous avez des femmes qui sont médecins, qui travaillent, qui ont des rôles et des places dans la société. Nous aussi, on a des femmes qui ont des rôles et des places importantes dans la société. On continue le voyage. Buenas noches. Ouais, tout le monde parle espagnol, je vous laisse. Non, non, non. Au contraire, je ne parle pas espagnol. Je me lève parce que je veux voir leurs yeux pour communiquer. J'ai l'impression que quand on entend cette musique qui nous transperce tous, qu'on a tous en nous cette envie d'aller mieux, d'aller vers des belles choses, de changer les choses. Mais j'ai aussi l'impression qu'on se sent dépassé par la vitesse, par nos grosses machines qui construisent des tas de papier. Et on ne sait pas trop comment faire. Et je pense que la volonté de tous ces gens qui sont ici, c'est peut-être justement d'apprendre. ¿Y cómo hacer para aprender? ¡Wow! Me dejes 5 minutos y te vemos si es complicado. Pues eso es la responsabilidad de cada uno. Ça, c'est la responsabilité de chacun entre vous. ¿Ya? Acoger la ley ancestral. A reprendre la loi des origines. La ley que se crea. La loi qui crée. La ley que se crea, la persona tal como nosotros, con carne y huesos, es algo que atenta a la naturaleza. Otra vez. Sí, o sea. Y las leyes que nos hacemos nosotros son las leyes que portan atteinte a la naturaleza, que atacan a la naturaleza, celles que hacen los hombres. Gracias. Como siempre le ha dicho a la gente, la tecnología no es el culpable, el culpable somos nosotros. C'est pas tellement la manipulamos. C'est pas la tecnología que es culpable de quoi que ce soit, c'est plutôt comment on l'utilise, qu'est-ce qu'on en fait. ¿Para qué lo hacemos? Pourquoi on fait ça, Fernando? Pourquoi on construit tout ça? ¿Con qué fin se hace? Ese aparato, esa tecnología. ¿De qué objetivo, qué finalidad hacen todos esos aparatos, esas técnicas? Entonces, ese para poder disminuir esos. Pour baisser un peu. Eso se medita a cada uno de nosotros. Salud, méditer ça,
de réfléchir à ça. Conscientizar, responsabilizar. Conscientiser, responsabiliser. A cada uno de la humanidad. A chaque être humain. Sobre la madre naturaleza. Sur la mère nature. Ça va? Une question à vous pour revenir. Oui, bonjour. Excusez-moi, je n'ai pas retenu les noms. Mais la première intervention qu'a fait. Harry Bosset. Voilà, au tout début, quand il a commencé à parler, avant parlant d'espagnol, je pense qu'il a parlé en Kogi et j'aurais bien aimé savoir ce qu'il a dit. On avait essayé de traduire, non? J'ai raté quelque chose, je crois qu'on l'a traduit, mais je peux vous reprendre mes notes si vous voulez. Il nous disait bonjour, il disait qu'il était content d'être là, il était content d'avoir entendu de la musique, parce qu'il se demandait en arrivant ici si on savait jouer de la musique. Il était content de voir qu'on savait. Et lui, ça devait rappeler qu'il avait des tas de musique pour parler avec des choses, etc. Il a parlé en espagnol, ça, plutôt? Pardon? D'accord, ok. Ah, les premiers mots, pardon, autant pour moi, vous avez raison. Juste, je lui demande, parce qu'effectivement, vous avez raison de l'entendre, merci. Dans les premiers mots qu'il a dit en copie, il a dit bonjour, et je redemande juste la traduction exacte des mots qu'il a utilisés. Nosotros siempre. Siempre. Hacemos el saludo es de handshake. Nous, chaque fois qu'on se salue, on dit handshake. Eso, la traducción literal es. Estar bien, en salud. Est-ce que la traducción qu'on pourrait dire littérale, c'est est-ce que ta santé est bien, est-ce que tu es bien en santé? Por eso mismo, cuando hablamos, el momento de encontrar, decir handshake es. El momento de comunicar en la naturaleza es, nosotros queremos que todo esté limpio. Au moment de communiquer avec la nature, on veut que tout soit propre, ou l'air, que l'air soit propre. L'aire, l'agua, l'eau, el bosque, la forêt. Queremos ver en su estado natural. Y queremos ver limpios, buenos. On veut voir ces éléments naturels propres, beaux. Entonces, en ese momento, apoyar en la comunicación. Soutenir ou appuyer par la communication. Que todo sea bueno. Que tout soit bien. ¿Ya? Hanchie quiere decir, Hanchie es sentir bien y estar bien. Vivir bien. Se sentir bien, vivre bien. Relacionando con la naturaleza, que todo esté muy bien. Mais relacionné à la nature, pour que tout soit bien avec la nature. Le chiga, c'est se sentir bien en relation avec la nature. Merci pour la précision. Une autre question? Oui, bonjour. Oui. Je voudrais poser des questions à propos des chamans. Vous disiez tout à l'heure qu'ils n'avaient pas le même rôle. Il y en a un qui est plutôt actif le jour et l'autre la nuit. Alors je voulais savoir quelle est la distinction de leur rôle et d'où leur vient cette transmission aussi. Et j'avais une autre question qui était par rapport au temps qui passe dans l'obscurité. À partir de quel âge et la raison profonde de toutes ces années dans l'obscurité pour être en contact avec la nature et les êtres sensibles. El mamón, cuando la palabra común, o sea, todo es el mamón, pero uno basándose en cada personalidad, pues ya uno tiene más conocimiento que el otro, pero está en aprendiz del mamón para seguir avanzando en aprendizajes. Tous les mamous ont des apprentis, des élèves qui apprennent comme ça avec d'autres chamans, et tous ne sont pas au même niveau, au même stade d'apprentissage. El mamo puede aprender, uno puede aprender en general, otro que se puede especificarse de acuerdo a la ley ancestral,
se especifica en una, digamos, en un área. Il y a des mamous qui sont un peu médecins généralistes, si j'avais peur à la comparaison, qui ont un enseignement général, et puis des mamous qui se spécialisent sur des sujets très précis, très pointus. Entonces, estando unos varios mamos, se puede recomplementar para hacer uno solo. Et parfois, plusieurs mamous ensemble se complètent pour arriver à un seul enseignant, une seule connaissance. Et aquí tiene un cargo diferente, porque cuando viaja, no hace la misma cosa. Lo que pasa es que nosotros venimos de diferentes regiones. Vient de différentes régions dans la montagne. El mamo, este, José Pinto, él maneja, él tiene una, un territorio. José Pinto es responsable d'un territoire, d'un lieu. Y tiene responsabilidad de tener un pueblo, una aldea. Il a la responsabilité d'un territoire. Elle est maman de ce lieu-là. Et maman, José Gabriel, est de San José, autre pueblo. Et José Gabriel vient d'un autre lieu. Entonces, pues, el mamo José Pinto vino desde donde vive José Gabriel, vino en otro lugar, encabezado de otros mamos más grandes. Et ils sont venus avec la responsabilité. D'autres mamous, ils sont venus ici avec la responsabilité derrière eux, d'autres mamous qui les accompagnent. Porque para que no ese mamo que estás aprendiendo no puede equivocarse. Siempre los mamos más de experiencia lo están en su ¿cómo se llama eso? En su mirada. Sí, en su pelar, estar mirando, estar. Un mamou n'est jamais tout seul, il y a toujours un mamou qui l'accompagne, qui le, dans d'autres jardins on dit, un mamou il y a une supervision, comme ça pour ceux qui connaissent ces métiers-là. Il y a toujours un mamou qui évite que le plus jeune se perde, qu'on ne soit pas dans la bonne voie d'apprentissage. Donc c'est pas parce qu'ils sont ici qu'ils n'ont pas dans la Sierra évidemment des mamous qui les ont envoyés et qui les surveillent de loin, c'est plus ça. Il y avait une question, je vais t'en prie. Oui, bonsoir. Buenas noches. Est-ce qu'il y a le concept de survie chez eux? La question pourquoi je pose ça, c'est... Si, excusez-moi. Et c'est le fait qu'ils parlent de loi de la nature et de loi très primaire, je trouve, qui existe chez les espèces animales et humaines, et végétales, c'est la survie. Et aujourd'hui, on est dans la situation où on est parce qu'on est devenu prédateurs de nous-mêmes, on a cherché à survivre. Est-ce qu'ils ont vraiment cette notion-là, ou est-ce qu'ils laissent aller, est-ce qu'ils cherchent à vivre le plus longtemps, ou est-ce que leur population grandit de plus en plus? Est-ce qu'ils ont affaire à ce genre de choses aussi chez eux? Et c'est, voilà, c'est un peu compliqué. Hein. On se donne juste quelques heures. Pues nosotros. Sí hemos luchado mucho para poder sobrevivir. Una beaucoup lutté pour survivre. Desde la llegada de los españoles. L'arrivée des Espagnols. América Latina, por la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde a partir de ese momento empezó el problema, empezó las víctimas, saqueos, violaciones de derechos humanidades. Depuis l'arrivée des Espagnols, c'est des pillages, c'est la violation des droits de l'homme, c'est toutes les difficultés. Pero los mamos siempre, las autoridades tradicionales siempre tienen esos conocimientos ancestrales. Siempre hemos basado en la ley ancestral. Si nosotros estamos en la ley ancestral, pase lo que puede pasar, sí siempre vamos a mantener, sí vamos a sobrevivir. Y hasta ahora ya llevamos más de 500 años en las luchas, pero ahí estamos todavía. Bon, ça fait 500 ans qu'on lutte, et avec le savoir de nos mamous, on continue à lutter, on est toujours là aujourd'hui, et si on respecte les lois ancestrales, si on arrive à tenir ces lois ancestrales avec nos mamous, ben on sera encore là et on continue à lutter. Por eso mismo, necesitamos ayuda entre todos. C'est pour ça qu'on a besoin d'aide entre tous. Para seguir haciendo la conservación de la Sierra Nevada, corazón del mundo, y a nivel general,
de todo el planetario universal. Bien sûr, c'est pour préserver la Sierra Nevada de Santa Marta, mais bien plus que ça, c'est toute la problématique de la Terre dans son ensemble qui est concernée. Ils appellent la Sierra Nevada le cœur du monde et toute la symbolique et les vivants qui va avec. Je vais commencer à faire ma question en français. Je voulais faire une différence entre ce que sont les mamas et les sages et ce que pratique le chaman. Ce n'est pas du tout le même ordre de grandeur. Quand les mamas, qui effectivement sont là, ne sont pas juste eux, il y a toute une ribambelle de gens derrière qui créent une puissance qui n'est pas égalable par un individu. C'est un collectif. C'est un collectif, de sagesse. Collectif de sagesse. Qui est incommensurable. Et effectivement, Quesada, qui est arrivé sur les plages de Santa Marta, était le premier à toucher le continent américain. C'est les derniers qui sont encore là. L'ordre de grandeur n'est pas du tout le même. Estoy haciendo una diferenciación entre un curandero. Entre uno que maneja los espíritus de las plantas, que cura con magia, y lo que es, que son los curanderos de la ley de origen, de la ley del mamu, que no es la misma vaina, que no es al mismo nivel, que el mamu es entregado a la ley de la madre, no actúa por bien solo. Esa, y en particular, que se le da por. Je peux le confirmer de plus propre. Si vous avez une question particulière. Oui, je veux qu'il élabore, qu'il réponde, qu'il précise quelle est la différence entre le mamu et le curandero, le chaman. On appelle le chaman qui manie les énergies des plantes, de la nature, mais pas au même niveau. Il conteste pas directement l'origine des êtres, comme le point. Merci pour la précision, parce que quand on entend parler des lois ancestrales, c'est effectivement les gens qui sont là ce soir, sont des gens qui depuis des milliers d'années se transmettent cette capacité de venir à la source des choses, effectivement. La diferencia que tiene un mamo y un curandero es que el mamo es de largo plazo. Eso no se aprende de una noche a mañana. Mientras que el curandero, en un mes, en dos meses, ya sabes. Curandero, como le dije a la persona, se puede aprender en 1 o 2 meses, alors que el trabajo de mamo se aprende en très très longues années. Entonces, siempre. El mamu siempre está acorde con la ley ancestral. ¿El mamu es que se capacita de noche? De noche, del día, en las cuevas, pero eso va a ser muchos tiempos. Ça peut être de jour, ça peut être de nuit, ça peut être en des grottes, mais en tout cas, c'est des enseignements qui sont très très longs. El curandero yo siempre lo he percibido que es algo como una, digamos, como una magia. Algo relacionado con de lo negativo, por eso mismo nosotros en la parte de los que valen mucho más son los mamos. Por nous les mamus ont une autre valeur. Je lui demande, parce que c'est Mamou qui gère ça, comment on apprécie pour faire l'échange, le troc. Est-ce qu'il y a une valeur des choses et des objets pour faire le troc? Comment ça se mesure? Comment ça s'apprécie? Sí, pues la respuesta
respecto a la pregunta, uno no se da, pues en la parte occidental, tiene que ser con el peso, con el objeto, tiene que ser de igual valor. Pour qu'il y ait un échange chez nous, il faut qu'il y ait une valeur identique pour ne pas faire un échange de pro ou de valeur. Son dos partes, son contrapartidas. C'est deux choses qu'on échange. Tiene que dar exactement le résultat de la partie doble. Il faut que chacun ait une partie égale dans l'échange. Et nosotros tiene que ser dependientes. Por ejemplo, dependiendo, por ejemplo, hay personas que tienen más, o siempre van a ser ayudando a las otras personas. Chez nous, il y a des gens qui ont plus que d'autres, et ces gens qui ont plus que d'autres vont toujours aider ceux qui ont moins. Pero eso mismo, las autoridades, los mayores dicen, cuando uno obtiene algunas cosas, es para la comunidad. Es para poder prestar a la otra persona, ayudar a la otra persona. C'est pour prêter ou donner ou aider l'autre personne. Entonces depende de la persona, si esa persona vino pidiendo como ayuda, pues esa persona casi no le va a cobrar la totalidad. Si quelqu'un vient en demandant d'aide, on ne va pas lui faire pour le troc payer la totalité. Du monde l'équivalent du troc, qui va pas demander d'aide. Por ejemplo, si la persona de pronto ayudó un día, si la persona le ayudó un día, pues el otro persona le ayudó, por ejemplo, en limpiar, a laver quelque chose, un jardin ou a nettoyer un jardin. Va a ser a cambio de, por ejemplo, digamos, plátano. Ça va être en échange d'aliments, plátano, por ejemplo. Ya, le entregas y o sea, no va a ser, no, que este me vale tanto y tu trabajo vale tanto, no. C'est pas, ça vaut tant et ton travail vaut tant, mais pas dans la valeur économique des choses. C'est la nécessité. Exactement. Dernière petite question, il n'y a pas de gens qu'on laisse sur le bord de la route dans la société que. Dernière petite question, tal vez, José Gabriel, ¿cómo quieres saludar para despedirse? Pero yo quería agregar una cosita. ¿Y lo has hecho? Por la, a mí me gustan muchas, eso es lo que nosotros hacemos exactamente en el Swamas. C'est ce qu'on fait exactement dans les lieux qu'on appelle les Swamas, on travaille pour aller là-dessus. Después de diálogo, après un temps de dialogue, después de reuniones, après une réunion, pues finalmente se hace el canto, on chante, se hace el canto flauta, on fait la flûte, on joue la musique, canta el voz, on chante avec la voix, bien sûr aussi. Eso es algo, el momento de reunir esos conocimientos. C'est une manière pour nous de réunir les connaissances et les savoirs de chanter. Para entregar a la madre. Pour le donner à la nature. Tiene que ser con las músicas. Con instrumentos musicales, con el canto. Le chant. Para que la madre eso pueda recibir. Pour que la mère nature puisse le recevoir. Algo que ya está listo para poder alimentarse. C'est quelque chose qui permet de nourrir la nature. Pues y además de eso, pues, lo invitamos a todos que tenemos que concientizar sobre la madre naturaleza. Et nous, notre invitation, c'est vraiment essayer de conscientiser la nature. Esto es Zigoneshi. C'est ça, Zigoneshi. Va a ser una construcción hacia el diálogo. Ça va être une construction qui va sortir du dialogue pour retrouver un bon chemin. Para seguir adelante, sacar adelante nuestras naturalezas, nature, para que ellos nos puedan seguir haciendo más vida. Pour qu'on puisse amener la vie plus loin. Aquí llamamos de la palabra. Qui donne la parole au mamou pour clôturer le dialogue. Yo creo que estoy un momento, pero
Si muchos nosotros estamos reuniendo, hacemos igualito, la Sierra Nevada también hacemos igualito. Exactamente la misma cosa que hacemos aquí este soir chez nous dans nos montagnes, se reunimos como eso. Allá hablamos muy como esta casa, pero muy, decimos no muy. On parle dans des maisons, dans des temples, on appelle des louvres, mais c'est des grandes maisons comme ça. También lo hacemos la música, baile, todo lo hacemos ahí. Des temples, des danses, pardon. Y la mañana hacemos la salud, comemos ahí. Y el matin, on parle tous ensemble. Me parece que mi amigo Francisco puede conocer. Él conoció por allá. Y entonces yo, un momento estoy mucha gente, ya se cantó, se hizo, eso estamos ayudando. Madre naturaleza, estamos ayudando. Parce que là, ce soir, ça va être elle va être contente. Así nos dejó Serancua que reunieron, cantamos, hacemos. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour se réunir, c'est pour chanter. C'est aussi pour chanter et pour danser. Eso es palabra de signos iguales. C'est ça, donc, nous aussi, les signes réunissons nous aussi. Nous aussi, tout le monde, estamos pensando, Creador de la Madre Tierra. Vamos a ayudar todo el mundo, si no, on va aider l'ensemble du monde, sinon, no vamos a estar de acuerdo con él, pero yo creo que estamos de acuerdo con él. Je pense qu'on est d'accord ensemble. Y yo pienso que de aquí adelante seguimos haciendo, o si siguen haciendo con hermanito menor, con Eric. O Francisco también aprendió muchos años por allá. Pense qu'on va continuer à se dialoguer dans le temps. Esto, yo le digo, esto puede hacer como chamán mayor, ya lo conoce. Lui, là, il pourrait être un grand chamán que connaît beaucoup, là, celui qui est là. Por eso les dejo muchas gracias. Merci que beaucoup. Sigan haciendo. Continuons. Muchas gracias. Puedo decir Zen Jardin. Merci beaucoup, ça se dit Zen Jardin. Zen Jardin, mi mató el menor último año. Es una despedida. C'est notre manière de nous dérendre. Otra vez volvemos a hacer mañana. On se reverra plus tard demain. Merci.